Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo découverte d'Atlas. Atlas qui a une grosse hype pour le moment, on est bien d'accord, les gens veulent absolument avoir le jeu. Donc je me suis dit, je dois vous faire une vidéo dessus justement pour pouvoir voir avec vous si le jeu en vaut la peine ou pas. Alors, sachez juste que j'ai déjà lancé une partie pour voir un petit peu ce que c'était. Et voilà un des problèmes que l'on a pour l'instant, c'est qu'on ne trouve pas de serveur. D'accord, bon là, il y a un serveur, on va le sélectionner, on va aller dessus, on va voir un petit peu ce que ça donne. Searching for station, voilà, ils mettent zéro serveur, il a du mal de trouver un serveur. Pouvoir s'y connecter. Là, il y a l'air d'avoir assez de joueurs. On est 109 sur 150. Voilà, hop, on n'a pas su passer. Ok. On cherche des serveurs. Donc voilà, le problème que l'on a actuellement, c'est de ne pas trouver de serveur. Donc voilà, c'est assez embêtant, je suis sur Atlas, hein, j'essaye de trouver des serveurs et pas moyen. Donc voilà, ça cherche, il va me mettre du time out. Hein. Certainement, voilà, il trouve pas de serveur officiel ni de serveur non officiel. Donc voilà actuellement où on en est sur Atlas. Je ne trouve pas de serveur. Tout à l'heure j'en ai trouvé un, j'ai eu énormément de rollback. Bon, maintenant je vous rassure, le jeu, ben, il doit seulement commencer à se mettre en place. Hein. C'est 2 ans de tests qui sont annoncés, mais vous voyez où on en est. Et je viens de discuter avec un copain sur le côté, avec Anzinen, et c'est la même chose. Problème, voyez, Undergoing, Analyzing et Weakened Stability Iteration. Donc voilà, aucune stabilité sur les serveurs. Donc si vous cherchez des vidéos en FR, vous aurez de la chance si vous en trouvez. Mais là, actuellement, les serveurs ne sont pas stables, donc je ne peux rien vous montrer de valable. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je m'excuse, c'était pas du putaclic, je voulais vraiment lancer une session. Et je me dois quand même de mettre cette vidéo sur le... comment ? Sur ma chaîne pour les gens qui attendent ce jeu avec impatience. Ah, là, on a quelque chose. On va lancer cette lecte. Ah ben voilà. On a quelque chose. On voit le nombre de joueurs ici. Donc hop, on va le mettre dans l'autre sens. On va aller sur une map où il n'y a pas beaucoup. Hop, join. Peut-être que ça pourrait passer. Espérons-le. Mais je ne sais pas le rendu vidéo que vous allez avoir. Moi, j'avais énormément de freeze. Énormément de... enfin, de rollback. Graphiquement, ben voilà, ça casse pas deux, quatre pattes à un canard, hein, comme on dit. C'était pas super joli, c'était pas super beau, les serveurs super lents. Voilà, il y a des gens qui dormaient en plein milieu de la plage. Bon, ben, c'est pas grave, hein, je me suis servi sur leur corps, hein, assez long pour monter les XP aussi, vu qu'on ne sait rien faire vraiment. Ah ben voilà, on a notre personnage qui est ici. Pour une fois, on va changer, on va prendre une femme, parce que tout à l'heure, j'avais pris un homme pour voir un petit peu ce que ça donnait. Les cheveux, ouais. On peut choisir. Là. Où est-ce que je vais pouvoir changer? Ça, c'est les sourcils. Ok. Voilà, le skin color. Voilà, les yeux verts, c'est quelque chose que je trouve magnifique. On va laisser le reste comme ça, on va aller sur le body. Hein, vous voyez qu'on peut zoomer. Hein. La taille du torse, hein, pour certains qui pourraient aimer ça, là c'est le cou. Taille des cheveux, hein. On peut vraiment chipoter sur la taille des cheveux, ce qui est pas mal du tout. Attendez, je dois avoir quelque chose, hop, ici sur le côté. Ah,
Donc là, c'est clairement les pecs, hein. Les épaules, les trapèzes. Voilà, là, on est sur la poitrine, hein. Les hanches, le ventre. C'est de faire un. Voilà, et on va lui donner Draco et le nom de famille, le Bottom, comme le nom de ma chaîne. Et on se lance. On a vraiment fait un personnage comme ça à la va-vite, hein, je vous le dis tout de suite. Pour voir comment va être le jeu, comment va être le rendu sur la vidéo, je vous rappelle que le jeu devait sortir le 19, le 20, le 21. Allez hop, je suis déjà mort. Et on a fait une découverte. Voilà, on est mort là. On va faire un respawn, voir un petit peu. Hein. Nous avons froid et nous démarrons au fond de l'eau. Ok, on est dans le biome de glace. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait personne sur ce biome. Hein. Bon, on va mourir. Hein. On va mourir. Bon, comme je vous l'ai dit graphiquement, bah, c'est pas super, super beau. Je comprends mieux pourquoi il n'y a personne dans cette région à partir du moment où on va se cailler les miches. Je peux le dire, je suis une femme. Donc voilà, on va arriver sur la plage. J'espère que c'est quand même assez fluide pour vous. Pour moi, j'ai quelques rollbacks. Voilà, là, il ramasse. Bon, c'est déjà plus fluide sur cette zone-ci que la zone où j'étais tout à l'heure. Non, toi, tu m'attaques pas, s'il te plaît, merci. Non, mais le Yeti, la femelle Yeti... Eh ben voilà, voilà, dégommé. Dégommé par la femelle Yeti. Bon, on va voir si on peut changer de serveur. Ah ben oui, on peut changer de serveur, magnifique. Bon, le but va être vraiment de trier, hein. Voilà, on va aller là où il y a... Dans la toundra, allez hop. Ah, il est au max. Ici. On va voir ce que ça donne sur un autre serveur. Oui, j'ai été tué par le Yeti level 5. Ça, le dessin du crâne est très bien fait, hein. Faut lui laisser. Bon, soi-disant big server, si c'était les méga serveurs, j'aurais pas le temps de chargement que j'ai là. Donc, la théorie comme quoi c'est plusieurs petits serveurs, enfin petits entre guillemets, hein, mis côte à côte, me paraît beaucoup mieux que cette pseudo-théorie. Il y a des chevaux ici, je suis vraiment sur une session, sur une zone remplie de chevaux. On appuie sur I pour avoir l'inventaire. Vous voyez que j'ai aucun craft, j'ai rien pour l'instant. Mon personnage qui est censé avoir des longs cheveux, ben, n'a pas de cheveux. Vous voyez, alors qu'on l'a créé avec des longs cheveux. Des frises, beaucoup de frises. Alors graphiquement, voilà, moi je trouve pas ça génial. Il faut que je puisse monter de level. Et vous voyez, je suis à 2.6 sur 6 pour monter d'un level. Et je souffre du froid, ce qui est tout à fait logique vu que je suis dans une zone de froid. On va ici, si je fais ça, hop, consume. On va consommer tout ce qu'on a parce que... Peut-être que ça va me faire monter le level. Non, et mon personnage va mourir. Hein. Vous voyez, j'ai les os cassés par le froid. Hein.
c'est le problème. Bon, il va falloir que je change de région, que je trouve une autre région que le Lawless. Voilà, on est mort, très bien. En même temps, mauvaise session, hein, mauvaise... changer de serveur, donc vous voyez que ce sont tous des serveurs différents. Hein. N'allez pas croire. N'allez pas croire qu'il y a un seul méga serveur. Hein. Ce sont tous des serveurs différents avec des maps copiées-collées aussi. Hein. Donc ça, c'est le souci des maps. Je pensais que la vidéo serait beaucoup plus courte, hein, comme je vous le disais au début. Je pensais que voilà, on allait très vite ne pas trouver de serveur. Mais au moins, comme ça, vous voyez. Et en même temps, sur ce genre de jeu, que peut-on faire d'autre qu'un unboxing de cette sorte? Et voilà le truc qui se plante, mais royalement, la session qui s'est plantée. Donc voilà les problèmes que l'on a actuellement au niveau du jeu. Donc je n'ai pas d'autre choix là que d'arrêter la vidéo et peut-être de trouver une solution future. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.